Ne crois surtout pas que Dieu soit inattentif aux agissements des injustes. Il ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards seront figés d'épouvante. Sourate 14. Verset 42. Bien le bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo pas très joyeuse. Je ne vois pas sincèrement la plus-value que je peux vous apporter, mais j'ai trouvé ça essentiel quand même de diffuser le message. Je vous invite à aimer cette vidéo pour pousser la vidéo dans l'algorithme afin qu'elle ne soit pas invisibilisée par YouTube. Je n'apprécie pas complètement le fait de nommer ce conflit comme un conflit israélo-palestinien comme si la situation était juste déclarée officielle et reconnue par tous pour être brève hein, parce que le sujet comme vous le savez est très complexe et nécessite euh, les mots les plus appropriés pour parler d'histoire à ce sujet. Je ne suis pas experte et c'est pour cette raison que je vais vous diriger vers d'autres vidéos beaucoup plus explicatives qui sera en complément de ma vidéo que je vous mettrai en description. L'histoire, pour être brève, j'y reviens, c'est l'histoire d'une famille palestinienne qui vient accueillir des personnes. Qui sont expulsés par tout un continent. Avec sa générosité, avec ses valeurs, sa morale et sa bienséance, va accueillir une autre famille qui ne sont pas de la même origine et qui sont rejetées. Une fois accueillis, ces personnes-là commencent à voler dans la maison, toute la famille. Ils commencent à piller, ils commencent à brûler des pièces, ils commencent à prendre un peu plus de territoire de prendre d'abord la chambre de la fille, la chambre du fils, de jeter le chat par la fenêtre et finalement de prendre toute la maison et de dire que ça lui appartient. cette reproduction va se faire sur de plus en plus de familles, plus en plus de territoires, de plus en plus de commerçants qui vont disparaître, la culture qui vient aussi disparaître, et c'est ce qui s'est passé depuis environ 100 ans en palestine. cette guerre, cet, on peut le dire génocide, est allée si loin on a changé le prénom de Palestine à Israël. C'est jusqu'à ce point. Cette histoire est joliment dite, elle est dite avec les conditions générales d'utilisation de YouTube pour éviter euh, que ma vidéo soit strike ou que cette vidéo soit invisibilisée, c'est pas l'objectif. J'ai vraiment pas les mots pour qualifier cette situation-là, mais elle est absolument catastrophique. On parle de génocide et je suis persuadée que l'histoire se répète. C'est-à-dire que je suis persuadée que d'ici plusieurs années, à l'école, on dira Bah alors, pourquoi les personnes n'en ont pas parlé Pourquoi cela continue Pourquoi euh, cela se passe dans l'impunité la plus totale Eh bien, je ne vais pas pouvoir répondre à ces enfants-là parce que tout ce que je pourrais leur dire, c'est Eh bien, l'histoire se répète. C'est malheureux, mais l'histoire se répète. On en vient aux faits. Comme vous le savez, la bande de Gaza a été quasi totalement détruite par l'armée israélienne, sans, sans règles, euh, sans accord de n'importe quel pays. Non, il n'y a absolument rien, si ce n'est que le silence, évidemment, va permettre aux Israéliens de faire encore plus, encore plus, encore plus et de monter euh, dans la violence. Ce qui se passe aujourd'hui est complètement historique et n'est absolument pas nouveau c'est pas nouveau c'est-à-dire que j'en parle aujourd'hui mais il faut pas oublier toutes les atrocités qui ont été faites ces dernières années parce que entre nous si c'était seulement un conflit israélo-palestinien entre deux petits pays eh bien dans ce cas là euh, ça serait deux armées qui sont d'accord pour se déclarer la guerre et... mais là il n'y a aucune règle il n'y a aucune règle et c'est complètement catastrophique. Pour parler d'un point de vue cette fois-ci personnel, le seul mot qui pour moi qualifie cette situation, c'est l'injustice. L'injustice. Parce que rien n'est fait, absolument pas, dans les règles de l'art. Et ça depuis le début. Des contrats non respectés, des organisations à qui on, on conteste qu'on ne regarde pas, quand je dis on, je parle évidemment pas de la Palestine, vous l'aurez compris. Et ça, ça continue. Dans l'impunité la plus totale. Dans l'impunité la plus totale. Vous connaissez l'histoire, bien entendu, que les pays arabes se sont réunis pour combattre euh, et défendre la Palestine, chose qui n'a pas été euh, réussie. Et malheureusement, je pense que qu'évidemment l'union fait la force. Bien entendu que l'union fait la force. Et le fait d'avoir fragmenté tout ce monde musulman fait que chacun a voulu porter son intérêt et euh, ce qui a porté préjudice aujourd'hui à ce que pour moi, pour moi, le peuple palestinien vit. Je vais vous parler juste après pourquoi je dis on, je m'inclus aussi, euh, notamment par rapport au boycott, parce que nous faisons vivre et nous finançons euh, ces armées-là. Évidemment qu'on les finance. Injuste de la part des médias, injuste de la part de l'armée israélienne, injuste de la part du pays dans lequel on vit, la France. La France qui me fait extrêmement rire, nerveusement, c'est le fait de dire on va pas cesser le feu. Non, on laisse le feu continuer à, à grandir, à grandir, à grandir. Et quand ça pète, eh bien Macron va venir tweeter en disant oh quand même un hôpital qui s'est fait toucher, c'est quand même gros. Mais c'est quelque chose que tu as soutenu. En fait, l'hypocrisie pour moi de ce pays, est-ce qu'elle m'étonne Non. Est-ce que c'est quelque chose dont je m'attendais Pas forcément en fait, j'ai pas d'attente particulière, mais je vous avoue que pour ma part, ça m'a particulièrement touchée. Puis s'en est suivi un tas euh, d'attentats, évidemment qu'on ne soutient absolument pas. Et voilà, va venir les amalgames, va venir l'instrumentalisation. Allah Wakbar, déjà, ça vous choque Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Ça veut dire Dieu est grand pour moi. C'est bien que vous connaissiez la définition, effectivement. Oui, Allah Wakbar, c'est ce que Mais c'est qu vous... vous qui en faites un crime terroriste Non, non, non. Moi, j'en fais pas un slogan terroriste. Ah bon Alors, je vais vous poser en la général, question. On quand c'est terroriste, il vous a, dit a dit Allah Wakbar. Il n'y a pas longtemps, vous savez, on a mis en garde à vue une femme parce qu'elle avait dit salam alaikum à sa voisine. Qui veut oui, non, dire sur vous. Non, mais enfin, il est là le niveau de suspicion dans notre pays. Déshumanise complètement, en fait, palestiniens qui meurent. Moi aujourd'hui là ce que je trouve injuste c'est cette situation là. Face à cette impuissance je suis complètement d'accord avec vous de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut absolument rien faire. On n'a pas non plus la capacité de se déplacer et aider, envoyer des colliers alimentaires à ceux qui en ont besoin, d'aider, loger, sécuriser. On ne peut absolument rien faire et ça c'est quelque chose qui est en train de me consumer à l'intérieur. C'est absolument terrible. C'est vraiment dur. C'est très très dur. Et je comprends pourquoi il y en a qui, qui ont une genre de psychose et, euh, et ne peuvent pas sortir leur lit. Moi je comprends tout à fait. Après, je pense que vous êtes au courant par qui les médias sont tenus. Je pense que vous êtes au courant par qui les journaux sont tenus. Et je pense que notre seul outil pour s'exprimer et s'informer le plus justement possible, c'est les réseaux sociaux. Parce que c'est une réelle force. Et c'est celle que j'utilise aujourd'hui. Même si tu as deux abonnés, juste le fait en tweetant et en soutenant du coup la Palestine, bah bien entendu que c'est ce que tu peux faire toi à ton échelle. Et euh, c'est cet effet de masse aussi qui va créer euh, le soutien qu'on peut voir aujourd'hui grandissant. Je ne sais pas si vous avez vu les grandes accusations et les énormités et la bêtise euh, que surgissent de la part du, de l'émission. Touche pas à mon poste. En fait, suite à l'intervention de Karim Zeribi, ancien chroniqueur chez TPMP, ancien député européen et homme très respecté, qui a tout simplement parlé objectivement de la situation et s'est fait humilier sur tout le plateau. Le peuple palestinien qui subit la colonisation des territoires qui sont les siens, qui sont grappillés, l'expropriation avec des meurtres d'enfants, au cours des dix dernières années, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Est-ce qu'on a fait des éditions spéciales pour trouver ça scandaleux Je regrette que nous n'en ayons pas fait, parce que je trouve normal que nous en fassions aujourd'hui. Cette indignation en géométrie variable me choque, moi, Karim Zeribi, qui porte un regard sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Il faut aussi noter que, par contre, sur les réseaux sociaux, donc c'est là où je vous dis que là, par contre, c'est une vraie force de frappe, c'est que tout le monde l'a soutenu. Et par conséquent, Touche pas à mon poste a quand même perdu 600 000 téléspectateurs, ce qui n'est absolument pas rien, parce que les parts de marché de l'audiovisuel sont quelque chose de très important, notamment pour Cyril Hanouna, animateur et producteur de l'émission Touche pas à mon poste. Il cite les chiffres tous les jours. Et ça, c'est ce qu'on veut. Et encore une fois, on retrouve une injustice parce que l'opinion publique va se forger sur ça. Et c'est totalement injuste, parce qu'on sait très bien que beaucoup de personnes sont influençables, et c'est pour cette raison qu'il faut, qu'il faut parler, il faut, parce que moi, quand je parle avec certaines personnes autour de moi, je me dis, mais on a tous un téléphone, ok On a pratiquement tous internet, si vous voyez cette vidéo, c'est que tu as internet, et donc tu peux te renseigner, tu peux te renseigner, et te forger un avis sans regarder ce qui se dit à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement Qu'est-ce qu'il faudrait faire en toute bienveillance Vous n'êtes pas sans savoir que je suis extrêmement, mais de près, la cause ouïghour, comme la cause de tous les opprimés. Je peux citer tous ceux qui sont oubliés, les Rohingyas, on peut citer également le Congo, le Congo qui vit actuellement un génocide qu'on a tendance à oublier, les Syriens également, en général. Tout le monde va parler d'une même cause et c'est très bien parce que ça crée un effet de masse, mais il faut surtout pas les oublier, surtout pas les oublier, c'est-à-dire penser à eux mais en constance et avec tenacité. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs si ça vous intéresse, euh, j'ai parlé avec une rescapée ouïghour avec Gulbara Jalilova que vous connaissez certainement, qui m'a cité plusieurs choses dans cette vidéo que je voulais également reproduire pour les palestiniens et que vous pouvez vous-même faire à votre échelle. La première chose, ça sera le boycott. C'est simple de le faire parce qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des alternatives. C'est pas comme si on a une seule marque et puis on n'a pas le choix. On a le choix et ça, c'est génial. Donc, je vais vous mettre par ici quelques images des marques à boycotter. Quand on parle de boycott, c'est à ne pas financer, à qui on ne doit pas faire de la pub, à qui on ne doit pas faire des éloges, euh, tout simplement parce qu'ils ne le méritent pas. On n'a pas les moyens, je suis d'accord. Mais on a le pouvoir de choisir ce qu'on peut acheter quand même. Il y a plusieurs magasins et en vrai le moins cher aujourd'hui, c'est Leclerc. Et pourquoi on devrait tous aller à Carrefour même si nous sommes habitués, alors que Leclerc c'est beaucoup moins cher, mais on va rester accroché à ça en sachant que ceci finance évidemment l'armée israélienne. McDonald's c'est exactement la même chose, marque concurrente, on sait très bien en plus les méfaits de manger McDo et pourtant on se dit on va tout de même aller là-bas alors que pour le même prix je veux très bien aller chez Picard prendre euh, un petit repas pour exactement le même prix, c'est vraiment pas cher ou aller dans d'autres fast-food indépendants en France qui vont pas forcément... Euh, soutenir l'armée israélienne. Les restaurants halal sont de plus en plus en expansion et on a cette chance en plus de manger tout en conservant nos valeurs et nos principes. Donc c'est juste à nous de faire juste ce petit effort parce que je ne trouve pas que c'est un grand effort à part si on n'a vraiment pas le choix. Je prends l'exemple pour ma part. J'utilise Apple, j'utilise iPhone, j'utilise MacBook parce que pour moi ce sont des matériaux de travail et je ne peux pas m'en détacher. J'ai vraiment du mal. faut essayer de faire comme on peut essayer de trouver des alternatives sur certains produits pour éviter au maximum et être en masse en fait pour pouvoir euh, leur faire peur du chiffre d'affaires tout simplement. Est-ce que moi ça me dérange pas d'acheter quelque chose qui va financer en fait Israël Parce que OK, tu peux pas aider les palestiniens sur place, pas de problème. Mais tu peux au moins éviter le mal que tu fais. Au moins ça. S'il vous plaît. Quand on appelle au boycott, ça ne sert à rien d'incriminer ou d'insulter, s'il vous plaît, les personnes qui peuvent, voilà, euh, potentiellement porter des produits qui financent Israël. Euh, je vous prends l'exemple, sûrement tout le monde utilise Waze et tout le monde n'est pas au courant que c'est une application qui est israélienne. Il y a peut-être aussi des produits qu'on a depuis toujours. Exemple, euh, imaginons que j'ai des Nike, bah je vais pas les jeter. Hein, L'objectif, c'est pas d'en racheter. Après, il y a des alternatives où on peut acheter de la seconde main, parce que ce sont des produits qui sont déjà achetés. Donc bon, au final, quand tu achètes, tu payes juste le vendeur et euh, bah, l'argent était déjà parti de façon à la base. Je parle pour les musulmans qui me suivent. Les invocations. Alors Allah nous rappelle Ô oh, vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la salat, dans la prière car Allah est avec ceux qui sont endurants. Surat el-Bakara, verset 153. Il suffit de lever les mains au ciel et invoquer Allah. Il est bien plus efficace d'invoquer pour nos frères et sœurs palestiniens pendant le dernier tiers de la nuit, dans l'intimité de notre foi. Plutôt que seulement sur les réseaux sociaux. Je vous ai parlé de réseaux sociaux parce que c'est intéressant de diffuser le message et de les soutenir pour pas qu'ils se sentent seuls et oubliés. Mais il faut aussi faire les choses qui plaisent à Allah. Qui plaisent à Allah, c'est-à-dire l'invoquer et lui demander à Lui de l'aide. Parce qu'il n'y a que Lui qui pourra arranger les choses. Et seulement Lui. soutenir financièrement à travers des associations qui sont reconnues et transparentes. Donc pour ma part, je me suis renseignée à confirmer. Mais je sais que la Turquie a réussi à envoyer des premiers avions en fait cargo en passant par l'Égypte pour aller euh, directement sur la bande de Gaza et vont acheminer des colliers alimentaires et de quoi en fait subvenir aux besoins des Palestiniens sur place. Je vous mets également les liens en description. Human Appeal, association avec qui j'ai déjà travaillé, a sorti des vidéos récemment en montrant bien qu'ils étaient sur place et euh, répondaient aux questions des internautes leur demandant si euh, du coup, les dons étaient directement acheminés dans la bande de Gaza. Et du coup, ils y ont répondu sur euh, leurs différents réseaux sociaux. Je vous mets également les liens en description. Pour ma part, j'ai vraiment du mal à partager des cagnottes inconnues. Donc, je vous transmets seulement des cagnottes qui sont reconnues, transparentes et qui mettent des images à notre disposition. Je le répète, mais s'informer et informer les autres. Il faut mettre en lumière la réalité de la situation en Palestine, le faire sagement et avec discernement, parce qu'on doit accepter tout ce que Allah fait, même si pour nous ça nous paraît injuste et inaudible. Mais tout ce qui arrive, c'est parce que Allah l'a décidé. Mais n'empêche pas que oui, il faut accueillir les émotions telles qu'elles sont. Notre cœur saigne et on a le droit de le dire mais sans se lamenter et sans insulter euh, qui que ce soit pour ne pas évidemment euh, desservir la cause. Opérer une réforme individuelle. Dans notre belle religion, il y a une corrélation directe entre ce que nous sommes et ce qu'on vit au quotidien. Il y a différents versets et je pense que bon nombre de personnes le savent. C'est notre comportement qui résulte aujourd'hui ce qui se passe aussi. Euh, C'est-à-dire, si cette terre n'avait pas de problème, bah, ça serait cette terre, notre paradis. Mais on sait très bien que ce n'est pas ici. Tant que les hommes seront mauvais, tant que notre foi n'est pas au top, tant qu'on ne se remet pas souvent à Allah, bah, malheureusement, les conséquences seront aussi graves euh, pour tous les opprimés, pour tout ce qui nous arrive à nous aussi au quotidien. Et je pense qu également il faut se réformer chacun envers les personnes et envers nous-mêmes, mais aussi envers Allah. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aimer cette vidéo afin qu'elle ne soit pas invisibilisée par YouTube. Je vous invite également à la partager, quitte à mettre des extraits. Ça ne me dérange absolument pas tant que ça profite à la cause. Qu'Allah protège le peuple palestinien. Qu'Allah apaise leurs souffrances et leur accorde la miséricorde. Qu'Allah apaise toutes les souffrances de chacun et chacune. Qu'Allah vous préserve. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et euh, ne les oubliez absolument pas c'est pas parce que je fais cette vidéo c'est pas parce qu'on entend mes propos que aujourd'hui on doit être triste et demain ça ira mieux je, je ne sais pas si ça ira mieux pour tout vous dire on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo bye